Le 12e conseil scientifique de l'Institut des yeux s'est ouvert ce matin à Ouagadougou. La rencontre regroupe des délégués venus des trois continents, à savoir l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Et ils vont réfléchir sur la production scientifique des yeux et faire le bilan du chemin parcouru en matière de valorisation des résultats de la recherche. Abdourahmane Zongo. Les des yeux, célèbre école à vocation internationale, c'est aussi une instance de réflexion et de proposition en matière de politique scientifique, mais également de capitalisation et de valorisation des résultats de la recherche. L'école abrite pour deux jours le 12e rendez-vous annuel de son conseil scientifique autour d'universitaires, chercheurs et professeurs venus d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Le rôle du conseil scientifique, c'est un rôle de consultation. Et le conseil scientifique fait des recommandations à la direction générale des DSUE en vue d'une orientation pertinente de sa politique de recherche et sa politique scientifique. Donc au cours de ce conseil, comme il est de coutume aux autres conseils, c'est de présenter donc les laboratoires et voir donc l'avancement des travaux de recherche au niveau des laboratoires et donner les nouvelles orientations qu'il faut pour que DSUE puisse atteindre ses objectifs. Les 48 heures d'échange et de réflexion vont également être ponctuées par la visite des nouvelles infrastructures DSUE, des informations relatives à des prix remportés par des étudiants, mais enfin par l'agenda des événements DSUE 2014.